Et tu auras droit à un package dans tous les bars où tu iras, partout en France, c'est une association géante qu'on a. Tu payes une bière au prix de deux, et la seconde est gratuite. Pas mal. Moi, après je dis ça... La sonnette veut m'ajouter dans ses amis, allez. Putain, mais pourquoi personne ne m'ajoute un ami? Dring, dring. La sonnette. Ah ouais, mais c'est un mec qui scelle des accounts. Merci ah oui, d'un parce que tout le monde pense tout bas. Personne t'aime, sa caméra. Arrêtez! Je vais pleurer, les gars! Ou t'as pas besoin d'un compte? Non. Ah. Du coup, je le vire. Ouais. Mon nom? Jean-Alfred Pépin. Ah oui. Mais tu peux pas faire ça. France. Hein? D'hab, il y aura personne. Voilà. Quand on gagnera ce soir, on aura nos points de RP quand. Ah, je sais pas, ça avait été vite la dernière fois. C'est ouais, une mandarine va. Le mec, hein. Il est sérieux. Quand on gagne, game the mandarine. Alors les arts sont moins d'une semaine là, 107 en tout cas. Il faut partir du principe que la défaite n'est pas une option. Alors, déjà on va commencer par quelque chose, attendez. Normalement si je peux... Alors... D'abord je vérifie avant de le dire. Hop. Là, je valide. What? Et que 9 équipes? Hop. Bon oh bah les couilles, il en faut 8 pour... 8 non? T'as un langage tellement odieux. Bah ouais. Sors pas les couilles. Ouais, attends, je vais faire un bon lieu, mais... C'est comme ça que parlent les Jones maintenant, ça y est. Ah. Ouais non, c'est 8 équipes pour que les... que c'est le swag. Les récompenses soient... C'est comme ça que tu parles avec tes fraps. Hein? Ah tu vois, t'essayes d'être cool Raptor, mais ça marche pas. Ouais. Bah moi je sais pas trop comment ils parlent les Jones de nos jours. Non, vos potos, vos fratés. Bah ils parlent pas, les jeunes d'aujourd'hui sont trop chépères. Vos zombies. Oh les gars, je suis allé à la boule, je m'appelle Steve, je suis trop chépère. À la quoi? À la boule. À la boule. Non, Steve en fait, je sais jamais s'il est défoncé ou si c'est en son état naturel. Il a tellement été défoncé que maintenant il est toujours défoncé. C'est, voilà. C'est la marmite c'est quand il était petit. T'imagines, t'es tombé dans une marmite de weed quand t'étais petit. Ah bah. La fameuse marmite de weed. C'est Bob Marley, le gars. De tous. Moi, tous les matins, j'en crois une. De quoi? Le reggae. Le mec défoncé, ou quoi? Ça blague parce que t'es trop belle. Ça va te perdre, non? Non, non, ça va. Steve, ce soir, tu me feras le plaisir de pas feed, s'il te plaît. De pas feed, j'ai pas de temps à perdre. De pas feed, hein. Oui, de pas feed. Tu sais, ta spécialité, être nul et trop la game. Trop la game. Trop la game. Il est trop la game. Non, en soi, je suis bien. Je suis dans l'élément adéquat pour gagner. Ok, y a un mec qui a mis une tête à Counter Strike. Non, non, mais c'est pas qu'il a utilisé la Wallet qui était bien que moi, c'est tout. Voilà, il faut que j'assume. Alors, on est contre Absolute Redemption. Très bien. Quoi ça? Du plat, du diamant, du bronze? Je vais te dire ça tout de suite. Ah, ils sont pas encore là. Tu es bien gentil. Ah, oui. Je te nomme Chevalier des Cités d'Or. En fait, quelqu'un va rejoindre le mystère de Sylvain Pierre du Riff. Hein? Moi les amis, je vais pour l'astrologie. Sylvain Pierre du Riff, nouveau président 2017, votons pour lui. Le président cosmique. Est-ce que ce vélo il a quand même réussi à récupérer une de ses chaînes YouTube, une page Facebook ou quoi que ce soit ou... Non, il a une page Facebook où il a annoncé son programme. Il veut faire construire des cités d'or partout en France et autoriser une seule religion, la sienne. Le parallélisme.
Non, parce que... C'est ça, le vrai religion. Ce mec, il se raquait toutes ses... support comme. Bon, sinon, Steed, il est toujours en état, ton yacht? Bah écoute... Il a survécu aux affres du temps. Je vais partir en vacances avec, à Noël. Ah yes. Où ça? Dans un endroit où il n'y a pas la mer. Ah si, si, on peut y aller, pardon. Ouais. Mais je ne t'amènerai pas. Je pensais aller aux Seychelles, tu vois, un petit côté un peu connu. Ah. À la maison. Et c'était comment, ton dernier voyage en mer au Mont Everest? Ouais, c'était fort sympathique. Bah un peu froid, du coup, on avançait pas trop, tu vois. Bon, bah c'est pas grave, vous aviez des hélicoptères. Mais pour rappeler, bah, exactement. Quoi, c'est quoi, le mec, il prend un yacht, il prend 5 hélicoptères pour soulever le yacht, pour aller au Mont Everest en yacht. Il s'en bat les couilles. L'argent... Mais ça marche pas comme ça. Tout marche comme tu veux quand t'as assez d'argent. C'est vrai. Quand t'as de la thune, rien n'est impossible. Ouais, de l'air, à partir de la fortune, c'est ça. Je vois bien le grimpeur qui monte l'Himalaya. Attends, de l'argent, rien n'est impossible. Je te fais plaisir. Un yacht harnaché soulevé par 4 hélicoptères, t'sais. Non, non, juste posé dans la neige. Avec Steed en short et en t-shirt, en train de boire un mousseux, t'sais. Un petit champagne. En mode Dead, même le soleil, et tout. Je suis pas de ce bord-là, hein. Un mousseux. Ah ouais? Ouais, ouais, je sais, T'es le genre de mec à boire du Beaujolais nouveau? Exactement. Ouais, j'ai acheté la production, c'est plus rapide. Non, on rappelle que l'alcool est très mauvais pour la santé. Le mec, il se croit à la télé, tu sais. On rappelle à nos chers téléspectateurs, l'alcool, c'est de l'eau. Génération d'autistes. Il faut boire 2 litres d'eau par jour. Molotov est enfin disponible sur Chromecast. Ça c'est bien. Ah, les terroristes aiment ça. Est-ce que si je quitte, tu peux me réinviter, Lolo? Ouais, Al-Qaïda qui va être content. Vas-y, comme ça j'aurai le canard. Incroyable. C'est toi le canard. Oh, comment je t'ai calmé, tu sais pas quoi répondre là. Hein. Il faut le ta... hein. Faut mettre le tag à RAM. Oh, le milieu. Je m'en demande beaucoup. Hein. Pour peser dans le milieu. Attends, je sais pas comment on fait ça moi. Alors, t'es sur l'ancien ou le nouveau client? Eh bah, ben, je suis sur le nouveau. L'ancien. C'est, j'ai trouvé. Il y a un. Non. Ah, t'as bah, hésité pendant un moment. Aram Challenger, et en haut à droite, t'as un petit coup de cap et puis. Regarde comment ce mec essaie de te donner des ordres, quoi. Tu viens de le rencontrer, il essaie déjà de prendre le dessus sur toi. Mais d'essayer mère, de dominer toi. Votre relation. Te laisse pas faire, hein. Montre-lui que t'es l'homme du couple, hein. Putain, mais je l'ai déshérité, mec. Tu veux te fermer sa gueule, hein. Je t'ai pas encore mis sur mon testament, d'accord? Ouais, bah oui, c'est vrai. J'ai aucun intérêt à tuer. Pour l'instant. Moi, je dis pas de bon, soucis, je vais mettre le tag à RAM parce que Lolo le veut. J'ai envie de dire, s'ils sont pas là 21h20, on a gagné, hein. Même si on est 4. C'est le premier qui dit que l'autre a perdu qui a gagné. Oh, c'est beau, c'est ça. Ça. C'est pas non. Du Booba ou du Van Gogh. Ah oui, Mein Kampf. Pas toujours les mêmes games, Napoléon. Les mêmes teams, tu dis, maintenant. J'ai l'impression un peu. Attends mais oh, étant donné que plus personne est classé, on sait pas s'ils sont bons ou pas bons. Bah tu te sur leur profil. Enfin bon, dans tous les cas ils sont contre nous donc ils sont perdants mais Ah bah non, c'est vrai avoir qu'il y a le coup, voilà. Y a pas un historique de. On devrait voir le nombre de parties. Enfin le nombre de victoires qu'on a eu contre eux. Et le nombre de défaites qu'ils ont eu contre nous, ce serait bien. Ah ça y est, Little Pandou il rage là. Alors, silver, platine, diamant, diamant, diamant. Bon, on bourrine le silver. Mais, est-ce que vous vous rendez compte qu'on va attendre 10 minutes pour faire une game de 15 minutes, tout ça pour gagner? On peut pas leur demander d'abandonner de suite. Alors, on est en quart là? Bah, on est déjà en quart là. Ouais. Pourquoi ils nous mettent pas en finale de suite? Non mais en vrai, enfin c'est qu'à la finale mais... il y a un peu de challenge. Qu'est-ce que t'as envie qu'on fasse? On va attendre 10 minutes pour savoir qu'on a gagné. C'est que vous allez le perdre. Non. La défaite n'est pas acceptable. Absolument, moi, dans la UG l'échec on connaît pas. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble de l'intérieur, une team structurée un petit peu, enfin un petit peu quoi. Structurée. Oh l'erreur. Non mais attends,
Attends, t'as déjà joué avec 4 bronzes toi? Bah, ah, j'ai déjà joué avec Van. C'est assez particulier quand même, hein. Mais non, Van, c'est l'anti-bronze. Van, c'est l'image, tu sais, là, du... Putain, en fait, faudrait trop que je fasse un montage avec la tête de Van sur ce perso. Tu sais, sur le truc de PC Master Race, là, Attends, comment ça s'appelle? Ouais, ce serait plus Kids. PC Master Race. Non, mais ça serait pas PC Master Race, mais dans le mode, je me touche les tétons quand je parle de moi. Ah oui, d'accord. Non, tu sais, nous on est une team qui aime beaucoup la structuration et les structuristes. Ouais. Les parallélistes. On est très, voilà, très parallélépipède de l'angle de l'hypoténuse de la trichrise. Restructuration. Voilà, on restructure la restructuration de nos structures. Afin de rester structuré. Non, déjà, ça va être quelque chose de pas avoir expliqué aux gens c'est quoi leur champion et quel item il faut faire dessus. Et les sorts. Ah ouais, quand même. Ah bah t'as pas encore joué avec Mewin toi. Hein. Ah ouais, hein. Et attends, et le pire c'est qu'on est déjà allé jusqu'en quart des fois. Au contraire, il a plus joué avec Mewin qu'avec le reste des bandes. Hein. Ah ouais, bouge notre trône, hein, parce que bon, ça va être très gris, c'est trop. Ah bah c'est vrai que c'est la première fois que je te vois, mais j'étais pas là pendant 4 jours. Tu es allé au resto pendant 4 jours, mais c'était super bon. Mewin. Ouais, non, c'est pas trop connecté sur LoL. Mewin, c'est la plus intelligente de la team. Ah, imagine notre conscience intellectuelle. C'est pas le QI qui compte, c'est à quel point tu smashes ton clavier. Ouais. Tiens, en fait, Van c'est Ah, ça y est, notre année là. Van c'est un peu ce passage-là, tu vois là. C'est You are weak. Non. Est-ce que tu vois à l'école primaire ou au collège le petit pédé d'un télo avec des lunettes qui se met tout devant dans la classe et qui donne les réponses et quand c'est pas la réponse, il fait t'es nul. Ah bah c'est Van. Oh non, c'est pas lui. Le mec que t'as envie de taper mais que tu peux pas taper. Ça d'accord. Parce qu'il fait pas lui un télo. Ouais. On est ready là les gars. Ah non, il est pas intelligent. Ouais, c'est bon, je suis là les mecs, on peut y aller. Vas-y, le canard et arabe, notre one vite. J'ai les cheveux mieux. Et notre one, on l'appelle le chevalier de l'alpha et l'oméga. On est déjà en quart notre one. Oui. Oh là là, mais ça va être trop facile cette tournoi là. Bah parce qu'on est UG, ils ont dit voilà, ce sera bon, on va faire des parties, vous allez gagner. Très bien, bah quand vous voulez. Oh, les gars, parfait. Bah voilà. Oh, c'est nul là. Voilà, on a pas de conflit, c'est chaud. Hein. Bah, ouais. Je le AD comme moi, je le AD. Allez, bon. Ouais, en fait ils ont nerf la P-Kog'Maw donc... Nerf à mort la P-Kog'Maw parce qu'ils ont nerf le relay en plus. Ouais, donc ils ont nerf relay, ils ont nerf le... barrière les gars. Go, c'est au exhaust hein. Y'a Nocturne Warwick... ouais, Nocturne Warwick. Oh là là là. Exhaust, là. Hein. Peut-être même une Cleanse, non? Cleanse. Je sais pas. T'as les gars, y'a en vrai, j'ai même pas envie de la faire, ouais, cette game. Easy win, Bah c'est parce qu'après on rentre en serious mode volo, c'est tout. Non mais... Quel intérêt de faire une game qu'on va gagner quoi. Non mais ça m'énerve, moi ils ont des tanks, ça prend 45 minutes pour les battre. Donc là sur un de suite, on gagnera du temps. Stop. On va faire semblant d'avoir de la difficulté, ok. Vas-y, joue Thunderlord. J'ai même envie d'être traité de nul. C'est parti pour le Xin Vénère. T'es notre frontline, n'oublie pas. Ouais ouais. Ça va être facile d'arrêter un Nocturne qui passe avec un Xin Zero. Ouais, c'est vrai qu'ils ont du tanking quand même. Ça va être rigolo. Vega, ouais, mais on a le pouvoir de l'amitié. Honnêtement, je vais pas pouvoir faire grand chose contre genre Warwick ou Nocturne. Hein. Ça va être On a le duo Lolo Nocturne, on peut pas perdre. Asaï. On a le duo Burst quand même. En espérant qu'on arrive à combo enfin à Charistide. Si on arrive à Charistide, c'est bon. Bah en vrai, franchement, il faut que Steed meure en dernier si possible, tu vois, il faut qu'il passe tout chaud, hein. Pour que Steed il puisse frapper. Bah non, mais genre, je sais pas, Vegar il met une cage quand tu te fais ulti ou un truc comme ça. Ouais, on a quand même un bon truc pour zoner avec ulti, avec la cage de Vegar. Tu veux que je t'explique comment marche ton perso, Steed? Le stuff et tout. Ouais. Ouais, en vrai, ouais. Va falloir essayer de... On travaille avec Kog'Maw là, les gars. C'est vraiment de la merde, ce jeu. C'est pas juste ton PC, mec. J'avoue que Kog'Maw contre les tanks, il a pris 1% de dégâts bonus. Ouais, Kog'Maw contre Nocturne Warwick, ça a été bon. Easy. Bah, si on def
si on prend après, il suffit que Xenos soit bien placé, qu'il arrive à les R à les repousser, Vegar met une cage, ça peut laisser le temps d'escape hein. On peut bien mettre moi j'ai là quand vous lancez la game. Puis moi avec Kata je peux mettre tous mes CC. Si si on peut quoi. Vas-y go. Vite connecté. Si vous pouvez, non non on peut pas pause. Mais connecte toi. Bah on a qu'à perdre du temps hein. Est-ce que je vais faire comme on leur donne pas de kill ça. Oui bah. On reste sous la tour hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner en moins de 18 minutes? Bon par contre on se concentre et on arrête de dire la bouche. J'arrête de troll, allez. On va jouer sérieusement. What? Ah j'ai pas touché, ça y est. En fait on a filé Kata à Raptor mais il va juste mourir en fait. Non, j'ai joué la nouvelle Kata en fait. J'ai compris comment ça marche. C'est pas une découverte. Juste pas joué depuis deux semaines. Ouais, mais ce que la dernière fois que j'ai joué Kata. Heureusement que j'ai Vegar. Et puis on spawn, sache-le. Bon, Steve il fait quoi là? Il se reconnecte. Bravo Steve. Bah... Je connais même plus les bons items aujourd'hui. Ils ont enlevé les Doran. Encore? Ouais mais je comprends rien de ce qu'ils font avec les stuff à RAM. Genre est-ce que comment ça s'appelle? Ah oui. Runan c'est toujours bon ou pas? Ouais c'est toujours bon. Mais... C'est toujours un peu pas le même stuff de toute façon. Ah ouais ça change pas trop des autres persos. Encore moins qu'au moment pas besoin. Oh putain. L'Ezreal va être chiant. Clairement. C'est vrai que j'ai one shot après. Ouais. Ça, c'est vrai, on a pas vraiment de pop. Des... réussir à push pour être moins sous pression mais bon. C'est pas facile. Oh. Attention aux avancées dans la dash. Elite units eliminated. Begin scan. Warning. There are multiple hostiles inbound. In scan. Bien joué ça. Ils ont même pas pris de face of the day. Enfin de non. Ouais, j'aurais dû moi. Je sais jamais. Ouais, c'est vrai. On a aucun. Ouais mais on a apparemment des persos pour. Eux ils avaient vraiment que des persos pour. Enfin. Ouais en vrai tu vas pas beaucoup, toucher beaucoup de creep. Ah risqué mais bien joué. Comme ça je peux back, je peux m'acheter ça, hop. T'arrives à passer des Q sur les ennemis qui gagnent trop d'AP en fait, trop fort. Ouais après Neutron ce qui est bien c'est qu'au fur et à mesure que ça va avancer s'il arrive à prendre des bons Q. Ouais. Bah il me faut surtout des kills. Tu vas te mettre bien en AP hein. Bah plus tu mets des Q et... Ça marche sur les assists. Il faut des kills, des assists hein. Ouais ouais ouais. Du moment qu'il les touche. C'est bon, je les touche après c'est bon. En 4 minutes il est limite à 30 AP. Il me faut juste 3 items après on gagne. Ouais. Tu prends OSS. Rise. Oh là là le fuck. Dites-moi quand vous faire attention quand ils auront leur 6 hein, parce que là ils nous engagent alors qu'on a rien. Ouais mais dites-moi quand vous allez avoir votre 6 parce que je l'aurai après vous et... Oh, putain. Oh là là.
Honnêtement, sous tour, ils pourront faire que du trade kill. Hein. Ouais. Oh, y'a Sion quand même. Mais Oh là là, putain, j'ai mal joué. Zero hostile contacts remaining. Warning. There are multiple hostiles inbound. Ouais. Je vais les rect. Ah non, ça rebondit pas sur les champions. Si tu l'as pas tué. Ils n'ont pas nerf le blanc. Ouais, c'est moi, il en up. Non, ah, il en up. Ah, il en up. Je pensais qu'il avait nerf. Ah merde, pardon, je suis désolé. Y'a il en bas, c'est quelqu'un. Pense à toi. Du coup, c'est dommage. Ah, j'ai pas eu le temps de balancer mon ulti. Ah, Rise et Sion, je les ai mis low life. Ah, dommage, je la purge pour mourir. Ouais, c'est un sniper. On a eu bête. Oh là là. Je viens de tuer quelqu'un en sautant là, lol. Ouais, il y avait Ezreal, il était là. Tu veux faire ça ou Runan? Runan là-dedans, je sais pas. Moi je dirais Runan ou TRK là-dedans. Ah ouais? Bah dans le loot. Quel talent le. Je pense que j'ai pas un heal. C'est pour ça que la botte RK sera cool, ça donnait de la rage. Et l'escape. Et ça proc avec la Runan. Ah, et puis surtout pour taper sur Warwick Sion, la BRK, nettement. Ouais, ça va être même nécessaire. Et là ils vont être bien stack en sur Vogel, hein, donc le BRK Runan c'est pas mal. Ouais. Ah, c'est quand même qu'on manque d'engage quoi. Oh non! Par contre un peu. Ouais. Ah ouais, mais je pars tant qu'à moi. Je quand même. Qu'ils ont pour Pox, c'est un Nocturne et un Ezreal et. Ah, ils ont Ryze hein. La portée du Q-spell de Ryze. Le Q-spell de Ryze, ouais, hein. Il est énorme. Ah, c'est vrai que c'est casse-cou. Maintenant, les tanks en late game, c'est pourri de toute façon. Donc, Style. Le heal en bas. Zero hostile contacts remaining. Ah, j'ai mal joué. On n'a pas encore masse de dégâts n'empêche. Non. Ouais. Ça va venir. Ah là, j'ai pas réussi à toucher. Il s'est donné le. Oh. Grave. Bien joué. Bien ouais, les gars. Attention, il faut tuer lui là. Ah non, sinon vous reculez, hein, c'est bon. Oh, il fait mal. Oh, mais bon, ça. Au mieux, il tue les sbires. Hein. Ouais. Bah ouais, c'est un peu embêtant. Parce que cette tour, on a du mal à la chercher. Ah, nice. Ouais, chercher le right. Bien joué, ça. Oh, magnifique, comment vous avez changé l'aggro. Il meurt, dommage. Ouais. Close. Je flash pas out. Oh, ça a rien, Oh, ça me tue quand même, ça merde là. L'ultime de Nocturne, on peut pas le flash. Hein. Non, je sais bien. Non, mais j'ai mis quand même une fatigue et j'étais quand même bien loin de son attaque range, mais visiblement, ça suffit pas. En fait, je partais directement sur Abaddon, pas prendre la tête. Hein. Les gars, ouais. Clairement, c'est le seul champion du jeu. Premier item, Abaddon, c'est viable quoi. Ah. Hey, 90 d'AP bonus avec 4 à 9 minutes de jeu. Oh, ce stun mec. Ce stun il est honteux. Ouais. Là je suis quasiment à 100 de bonus AP là, j'étais pas mal. Oh merde, il a pop juste quand tu l'as. Pas grâce.
Celui de derrière, du coup, il a pop. Tesra, il même pas. Ah, Bastille non plus. Non, mais c'est lui qui nous fait chier tout seul, quoi. Ah, mais c'est tellement fort la rame. Prochain coup, je me fais le chip par Warwick, je pense. Ouais, il y a de fortes chances. On peut essayer de repousser tout le monde et puis Warwick reste tout seul devant. Putain, on est tous low life. Y'a mourir lui. Merde. Quoi? Putain, j'ai fait mon combo comme une merde. C'est pareil, y'a juste ces rats vivants là. Oh. Ah, il est sérieux, Ezreal. Je vais m'acheter un. Oh non, j'ai raté mon Isa tué de merde. Putain. Oh mon dieu. Ah, dommage. C'est interdit. Allez, notre talent. Oh là oui. Oh là là, quel talent. Oh, le talent des creeps. Le talent des creeps. Ah, eh, oui, Yops quoi. Ouais, mais quand même, tu vois, c'était. Fallait esquiver, fallait. Voilà. Fallait louper ses Q. Fallait louper ses Q, eh. Notre rôle, l'homme qui parlait à l'oreille des millions. Ouais, exactement. C'est gilet ça. Ah, c'est pas mal. Ah, il n'y a plus d'exhaust, il y en a qu'un seul donc 2 minutes. Encore flash combien de fois là? J'ai beaucoup d'escape en face, hein, j'annonce. Oh. Non mais c'est énervant! Il y a deux heals derrière si quelqu'un veut. Allez. Je vais chercher les heals, notre trône. Vas-y, vas-y, pas de soucis. Oh là là, 400 dommages de cul. Ouais, mais t'as pas arrêté. Ça arrête. Je sais pas pourquoi c'est là, ça sert à rien d'être là. Moi j'ai pris de l'armure dans le genre des mains. Ouais, je vais prendre Zonia. Ouais, ah, derrière les creeps, c'est tout ce qui reste, c'est tout ce qu'il y a à faire. Plus que spell quoi. Shields recharging. Missile lock. Missile lock. Oh bah non. Ah, j'ai cru qu'il était dedans quand même. Dommage. Ouais. Ouais, moi aussi. Il aurait été dedans, il serait défoncé, les autres auraient pas pu venir. Oh. Oh là là là. Putain. On a pas une fois là-dessus. Allez vous suicider parce que sinon on perd une fois de plus. Ça sert à rien là, c'est. Là on peut tenir la tour si on est à moins un ou deux à. Non, je vais me suicider. Ah mais non, on a envie mais on a personne, etc. Allez viens là toi. Non non, va plus loin je pense, Bart. Ah nice, pour ça va en fait. Cassion qui a flash out avec 5 TV, ça me surprend. Allez, notre round contre Ezreal, round 2. Again. Round 2. Smash. Allez, il va juste E quoi. Il va juste EQ. Ouais. Il attend que ça. Hein. Ouais, je sais bien qu'il a E auto attaque là même. Aïe. Oh, oh génie. Ah là là. Le génie. Non, ouais, c'est vrai, hein. J'ai
pas de revenir, j'ai déjà plus. Il y a un rapport, il y a un heal derrière. Ça fait chier que ça fait 0 dégâts quoi. Heal pour les sbires. Les drales nous provoquent tellement et ça permet à... Le problème c'est qu'on est super pas, on est très passif hein, donc Le problème c'est qu'on on se laisse faire. Ah ouais, on est super passif. C'est un peu compliqué avec les dents. Voilà. Bah, c'est juste le Ezreal dans leur compo qui, les... qui leur permet de... Je peux all-in le Ezreal hein, mais il y aura plus de piles pour au moins le Nocturne quoi. Ouais. Ah, le Nocturne on peut le gérer, c'est pas grave. Mais il faut qu'on all-in le... De toute façon là sinon c'est pas qu'à mort hein, ça sert à rien, faut qu'on puisse... Faut qu'on joue agressif un peu, hein, sinon on va juste mourir. C'est vrai, il nous tue petit à petit, quoi. Viens d'Archive Shift, j'ai une boule de neige bientôt. Ah. Contact. Elite units. Si je l'ai. Go ou pas shift. Ah, je me suis fait instantaire, quoi. Oh, attends, je me suis fait instant par Rise. Allez, Tid. Non, mais c'est bien, toc. Attends, tu es danger. Lol. Tu vas tenter le suicide sinon. Ouais, il a que ça à tenter. Ou le poke. Oh là là. Estite, si on a un enfant, quel on l'appellera Norbert. Maintenant, on a compris qu'il a focus. On va pouvoir peut-être prendre la tour, mais c'est pas sûr parce que. Il y a du monde de revenus, mais bon. Bon, il peut le faire. Voilà, c'est bien, c'est beau. C'est beau. C'est bon, parce qu'ils ont tous pris la liste magique. C'est bon. Oh, yon. On changera rien, on va quand même mourir. J'ai pas de R. Je suis pas confiant. Bah, bon, ça c'est top. Oh. Bah, mais je veux dire, là, ils sont pas encore tous là, c'était vite. Vas-y, il va revenir, on va se refaire foutre quoi, on va replorer. Ouais, mais là on est au milieu de la map et y'a plus de tour de leur côté, hein, ça va être plus facile. Ouais. A notre tour de mettre la pression là. Ouais, voilà. Ok. A notre tour de mettre la pression. Deux spells. Il aurait fallu attendre que je prenne une pression d'engage ou quoi. 1300 HP. On va mourir là-dessus. Laissez-moi mourir, hein. Je vais mourir. Ok, vas-y. Ça va te suicider maintenant. Alors. Cache-les, suicide-toi et ah, ouais, non, mais t'inquiète, j'ai juste essayé de tuer un mec avec, mais. Ah mais j'ai pas parti, what the fuck, comment c'est pas vraiment. Ouais, t'es testé. Top links, la wave. Ouais, ça va être difficile. Un peu la R, mais 2 minutes de cooldown. Non, non, non. Difficile n'est pas impossible. Oh le fils de pute. Putain. Ouais. Oh il m'a ulti, c'est chiant. Les mecs ils vont sous tower. Oh, oh dommage ça. Oh, mais genre je me fais toucher par ça quoi. Vas-y, file-toi! Oh non! Oh non, la tour! 12 HP quoi. Ah, ils vont récupérer les creeps quoi. Faut que tu les défonces, faut qu'ils prennent la tour. Putain. Il faudrait pas se faire poke quoi, avant. Ouais, mais c'est parti hein. Est-ce que vous pensez que si je fais bingo, c'est propre? Oui. Ah, ouais, bah oui, c'est propre. Il y a deux heals, hein. Bon, on a déjà réussi à remonter pire que ça. Ouais. En fait, tout ce qui donne plus, c'est une tour, hein. Faut engage, ouais. Hein, c'est tout, hein. C'est qu'on en est repéré, quoi. Faut qu'on engage pendant qu'on... Prenez... Pas... Perdez pas trop d'HP, quoi, juste ça. En attendant 20 secondes, là. Vague. Si j'avais l'ancienne Katarina. On gagne cash en arrivant et puis c'est bon. Si j'avais l'ancienne Loco. Si j'avais l'ancien Xinzao. À sa sortie. Sa sortie, oui. C'était vraiment du full 1v5 hein. Xin des Katabool essaie de cibler un mec qui est proche. Ouais. Ah, moi je saute sur Ezreal, je mets ulti, je m'en bats les couilles. Ah, raté. Préviens quand. Ouais, my bad, j'ai touché. J'ai besoin d'aide. Comme on était parti. Oh là là. Ça se passe pas trop mal hein. Non, ça va. Ezreal et Ryze bon focus. Ah là là, ah là là, mais c'est chiant, tu te fais combo Ryze et puis l'autre il dit ça y est, lock, t'es mort quoi. Oh joli. Bien joué Sid.
Ouais, il y a une tormelle sur, mais ça va pas. Je crois que j'ai rien fait du tout là. Il a pas de vie. Juste ah oui, la flash. Rise dans deux ouais. Le mec est quand même frileux, hein. Je flash. Il assure, mais. Nocturne qui est revenu. Warwick aussi. Ouais, c'est pas grave. Oh, encore deux morts en face. Commencez la tortue. Warning. There are multiple hostiles inbound. Ça vaut le coup que tu restes comme ça là, toi. Non, ça vaut pas le coup. C'est relou qu'on ait jamais de compo vraiment. On n'a jamais le SVAL. Faut l'acheter aussi. Ouais. Je sais pas comment ils font ces doobackers là. Que ça comme ça. Tout ce monde. Ouais là les niveaux il est. Mais, ouais, il mais c'est pas vrai mec, je me fais cage à l'autre bout quoi. Oh là là. Oh mon ulti quoi, ils ont tanké. Ah putain. Ouais, j'ai tellement besoin. C'est lourd. Ouais, non mais c'est bon. Ça va aller. Enfin, quoique il a peut-être son ulti, Warwick, j'en sais rien. Non, non, il a pas son ulti. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah non, pas oh là là. Si. Bah la tour a pris cher quoi, mais... Allez, notre haut, round 3. Le mec a quand même pris la confiance. Soucie-toi notre autre, soucie-toi maintenant. Ouais. Sur les gros creeps hein. Autant ah, revenir avec... Là il y a Israël qui m'a touché, j'ai pas un petit peu de mettre ça. Je vais prendre les prochains creeps, puis ouais. Les tuer dessus. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Proximity alert, deck. Que ça prenne pas une heure. Toi tu m'as fait peur mec. Hey mais t'as pas la confiance. Bon j'ai Bansy pure, ça devrait aller hein. Je pense. Moi c'est en fait c'est Rise et Ezreal qui sont vraiment le casse. Oh putain. Deux auto-attaques hein. Plus un QSP. Ah, Ryze qui survit à 2 HP. Non je l'ai tué Ryze mais... Ah ouais, bon. Ouais je peux rien. J'ai l'impression que mon ulti tape rien du tout hein. Ouais mais là on se désynchro à chaque fois. Chaque fois vous mourrez quand je suis pas là quoi. Non 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 mais c'est clair ouais. Bah il nous engage mais c'est vrai que c'est à nous bah d'aller. Ah ouais mais évidemment plus, que vous engage parce que je suis pas là quoi mais... Faut y aller plus en def, c'est vrai que... On s'est désynchro complètement là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Bon c'est fini. Ouais bah là c'est... Parce que le truc c'est que j'étais toujours un peu en contrôle, c'est chiant. Non non mais là c'est notre faute. On a mal joué. C'est notre faute. Genre si on perd pas la game, ce serait bien que quelqu'un reste avec moi quoi. Genre... Qui je prends toujours un contre un à la con et je peux rien faire. Enfin, on va un deux. Le combo. Ok. Ouais, bah même ouais. C'est qu'on a que des trucs pour aller in comme des... Mais c'est pas à toi, c'est je pense bah ouais mais c'est plus à quelqu'un qui a du burst qui a... enfin je sais pas qui mais quelqu'un qui a du burst. Bah tu veux que reste avec toi. Moi j'ai tendance ouais, à tout tenter les carrières. Je peux pas me les faire en 1 contre 2 quoi, les mecs ils ont trop de CC. Attendez les gars. Ouais non mais on est presque là. Je pensais qu'on lui ferait plus de dégâts plus vite. Oh là là les dégâts. Ouais, faudrait que notre aussi. Bonne... Bah je suis en papier et franchement le blanc on a pas de papier. Les engage, hein. Donc go se mettre ici et go les engage. Hein. Parce que moi je suis en fait. J'ai ma marque dessus. Ça reste derrière. Ouais. J'ai besoin d'aide. Je suis défoncé. Bon bah y'a personne. Je me fais défoncer. C'est Perma, c'est ça. Ouais, c'est rien, Katarina. Ouais, ils ont une compo... Ouais, ouais, Katarina... Pff, la nouvelle Kata en Aram... C'est comme la level Leblanc... Va mettre ton deuxième passif alors que les mecs sont 5 paquets en face, quoi. C'est... Ouais, mais c'est ça pour équilibrer les champions trop faibles.
Mais non, mais c'est parce que le problème, c'est que les champions, en normal, ça irait, tu vois, c'est... En normal, ça marche très bien. En arrière, ouais, mais bon. Sur des lanes, ça va, quoi. Bon, la puissance de la mandarine n'était pas avec nous. Bah non, mais ce qui nous manquait dans notre compo, c'est d'avoir une bonne front lane pour pile Kog'Maw, mais là... À part, je veux dire, y a que genre Xing qui pourrait faire front lane et puis genre la cage de Veigar qui pouvait tempo, mais à part ça, y'avait rien, quoi. Ouais, et puis enfin, honnêtement, arrêter un Nocturne Warwick, bah ouais, sinon, ils rentrent dans le tas, tu les arrêtes pas, hein. Les trois qui mettent leur ult, Ryze qui arrive, qui rentre dans le tas et qui cache quelqu'un, Nous, on a Kata pour rentrer dans le tas, Leblanc pour rentrer dans le tas, Xigzao pour rentrer dans le tas, donc c'est sûr que... On a que des trucs qui croquent sous la dent. Donc on a même pas de support ou gros tank pour essayer de protéger, Steed, on avait 0 CC, hein. À part la cage de notre drone, moi j'ai pas de CC, Leblanc c'est pas avec ses chaînes. On n'a pas eu de chance. J'avais raison, on aurait dû leur dire d'abandonner de suite. Comme ça on aurait gagné. Bon, il y en a qui veulent faire un petit draft pour essayer de... Moi je suis chaud. De garder un esprit synthétique et joyeux. Vous allez noyer votre défaite dans l'alcool, la déchéance. Comme ça on perd aussi la draft et ça nous mine bien. Mais Volo est parti sur Star Citizen. Et donc t'es forcé de le rejoindre? Je suis forcé d'aller sur Volo. J'ai bientôt fini. Bart, tu veux faire un petit draft? Ouais, ouais. Bah, je t'ai invité, tu vas accepter s'il te plaît. Hein, j'ai accepté, mais c'est long à arriver. Pareil, ouais. Ton invitation. Elles disent tout ça. Alors, qu'est-ce que je... Quel truc je... Bon, allez, je vais filmer. Je suis nul partout. Parce qu'il y a l'auto-skill. C'est pareil. Attends, on va... Oui monsieur. Je suis en spec, ça va pas quitter. Moi je suis un responsable des sections de type fragile en fait. Ah bah si ça quitte. What? Genre ça quitte. Ouais vas-y lance. T'es sûr? Tu me donnes l'autorisation? Tu me donnes l'autorisation enculé. Ah putain ça va. Tout ça parce que t'as... Tu vois mec, franchement, t'as un incapable dans la vie, hein. Alors déjà, tu tues des ingés, et en plus t'es pas capable de me défendre, quoi. Putain, ah, c'est quoi ce personnage, hein. C'est une belle bourgandine, quand même, quand tu t'y prends, hein. Ouais, mais je savais pas ce que c'était, toi. Sinon, on peut lancer tous les deux en un V1 arcade en même temps, si tu peux l'entendre. Ça marchera pas. Il est tellement de monde. Par contre, Raptor, si on tombe en bot lane, tu sais ce que ça veut dire, hein. Ouais, Jarvan, Panthéon. Bah moi je te propose justement de tester une nouvelle... Ah bah tu veux quoi? Je pense qu'aujourd'hui il y a eu pas mal de nouveaux persos, tu vois, des trucs qui sont sortis, qui peuvent être intéressants, qui peuvent bien se matcher. On peut faire, bah pareil, du bourrin. Me demande pas de jouer le champion avec une épée à la place des jambes, pour moi il n'existe pas dans League of Legends, je l'achèterai jamais. Une épée à la place des jambes? Ouais, un nouveau truc est sorti. C'est quoi ça? C'est un champion. C'est qui Rafa? Ta gueule. T'es vraiment un chien. T'es vraiment le dernier des chiens. Tu bois mes larmes de sang. Une épée à la place des jambes. Ouais, nouveau champion. Mais c'est oui, ça sert à rien de savoir son nom.